Bonjour mon cher ami Lion et ascendant. Aujourd'hui, on va faire le tirage sentimental de ce mois de mars. Comme tu l'as vu hier, on a fait le tirage général. Tes expériences ancrent la sécurité en toi et on a vu le chakra racine de base. Donc si tu veux en savoir plus, clique en haut à droite en fin de vidéo ou quand tu le souhaites. Donc là aujourd'hui, on va pour ce mois de mars, attirer l'amour à soi jour après jour. Et on va voir avec ce petit oracle en fin de vidéo ce qu'il a à te révéler. Voilà. Donc comme tu le vois ici, en fin de guidance, ce sera la conclusion, la synthèse de ce tirage sentimental. Alors c'est parti, je demande à l'univers, à la source, que ce tirage sentimental pour tous mes chers amis lions et ascendants puisse leur amener un maximum de réponses pour ce mois de mars. Que va-t-il donc se passer? Vont-ils trouver l'amour? Ou vont-ils renforcer l'amour qu'ils ont en eux, pour eux? Toutes ces questions vont trouver une réponse ici. Merci. Je t'invite à prendre une feuille A4 ou un cahier de brouillon, tout simplement, pour noter ce tirage sentimental pour qu'il soit bien intégré à l'intérieur de toi. Si tu le souhaites, tu peux aussi t'offrir en dessous, dans la description, le cahier tarot divinatoire. Même pas le prix d'un paquet de cigarettes. Et je vais t'accompagner pendant 88 jours. Donc c'est énorme. Tu pourras noter 88 tirages. Donc c'est à toi de voir, d'aller voir par la suite si tu es intéressé ou pas. On y va? Allez, avec la première lame, on va voir l'énergie qu'il se passe à l'intérieur de toi en ce moment. On a ici le transport, la voiture. Alors, c'est très simple. Tu es le conducteur, la conductrice, d'accord, de ce véhicule. Mais comme tu le vois, devant, c'est le brouillard. Le brouillard total. Et donc, où c'est que tu vas? Qui es-tu? Est-ce que tu es un animal piégé qui se connaît même pas? Qui essaye de se découvrir? Ou est-ce que tu es une personne qui subit sa vie sans mettre aucune stratégie pour améliorer son existence? Si tu recherches l'amour auprès des autres, est-ce que tu as déjà de l'amour à leur redonner? Donc la première des étapes est d'apprendre à te connaître et d'apprendre à t'aimer. Voilà la priorité. Alors bien sûr, on va voir l'obstacle, parce que vu que la loi de l'attraction, c'est ce que l'on vibre à chaque instant, que tout est amour. Donc si tu vibres de l'amour en permanence, alors tout est amour, le monde est idéal et tout le monde va très bien. Bien sûr, c'est un monde, oh combien il serait puissant qu'il existe, de vivre en harmonie totale avec la nature, avec les animaux. Malheureusement, beaucoup de personnes sur cette planète subissent leur propre vie et ont des obstacles. Donc, apprendre à te connaître, savoir qui tu es pour pouvoir redonner aux autres ton savoir et tes connaissances va peut-être te permettre d'attirer à toi l'amour des autres. Peut-être.
Alors, l'obstacle ici, c'est ce déménagement, c'est la caisse. C'est de prendre cet envol, de lâcher prise. Voilà ce que ça veut dire. Il faut que tu lâches prise. Tu ne peux pas contrôler le monde. Tu ne peux pas contrôler les autres. C'est pas possible. Tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de te... Vraiment. Tu es en train de... Vraiment, 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 j'insiste à te pourrir la vie. C'est pas possible. Tu comprends? Si tu lâches prise sur ce qui peut se passer et que tu avances avec amour en faisant le bien et en maîtrisant ton impulsivité, tes colères, tes peurs, tes angoisses, tes souffrances, de la solitude peut-être ou de la peur des autres. Il y a tellement de choses à quoi l'être humain se raccroche. Donc, il faut vraiment ici, hein, et c'est vraiment cette caisse qui s'indique, qui t'indique, de mettre dans cette caisse toutes tes peurs. Tu peux écrire un mot et mettre j'ai peur de ceci, j'ai peur d'être dans l'insécurité, de ne plus ou de ne pas trouver l'amour un jour, j'ai peur de rester seul toute ma vie. Peu importe ce qui se passe, tu mets dedans et tu lâches prise et tu vois ce qui se passe par la suite. Fais confiance à la vie. Tout est amour, donc vibre l'amour, brille autour de toi. Peu importe ce que les gens penseront de toi, peu importe ce qui va se passer, il y aura toujours des gens qui te critiqueront, qui te jugeront, qui te condamneront, qui te mettront des bâtons dans les roues, parce qu'ils ne veulent pas que tu réussisses. Ils ne veulent pas que tu trouves l'amour. Mais l'amour, il est déjà en toi. Trouve la paix et la sérénité, et tu seras comblé. Alors, bien sûr, ici, les obstacles, le grand secret, comme on pourrait dire, hein, à travers les livres, il y a toujours des secrets à découvrir, bien sûr. Eh bien, je vais t'en donner un. C'est l'histoire de l'iceberg, très concret, très scientifique, pour les faits, d'accord? On va partir de ce côté très logique pour les gens qui sont vraiment, qui croient pas en une force extérieure. Au monde invisible, d'accord? L'obstacle, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu crois, c'est ta logique, c'est ton raisonnement, c'est ton mental, c'est ton ego. Moi, je sais mieux que tout le monde. Moi, 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 moi. Et en fin de compte, toute cette partie qui est à l'intérieur de toi, tu ne la travailles pas. Tu ne l'étudies pas, tu apprends pas. Et donc, c'est assez dramatique parce que tu ne te connais pas. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, tu vas nulle part puisque tu ne sais pas où aller. Tu es perdu, déboussolé. Et tu n'arrives pas à lâcher prise. Et donc, la colère, la dépression, la fatigue, le burn-out s'installent petit à petit. N'est-ce pas? Voilà pourquoi tu te mets en arrêt assez souvent. J'ai mal au dos. J'ai mal aux bras, j'ai mal aux épaules, j'ai mal à la tête. La maladie veut dire j'ai mal à dire, j'ai du mal à agir. Voilà ce que ça veut dire pour toi. Donc, si tu apprécies que tu aimes ce partenaire ou cette partenaire, dis-lui clairement tes intentions. J'aime la personne que tu es. J'aime passer du temps avec toi. N'en aie pas peur. Tu verras peut-être ce qui va se passer par la suite. Donc sur le long terme ici, on a la saison, l'hiver. Tu comprends qu'ici on est au mois de mars et la fonte des glaces, les perce neige se montrent maintenant. Elles ont réussi à vivre malgré le froid, parce qu'elles se sont introspectées,
elles ont vécu leur existence dans l'ombre. C'est dans l'ombre que tu avances. C'est ce que tu fais que les autres ne voient pas, qu'il y a des répercussions par la suite. Donc, maintenant que la saison de l'hiver se termine, place à la renaissance, place à ce que tu vas mettre en place. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui que tu n'as jamais osé faire? Peut-être ose aller voir ce magnifique homme ou cette magnifique femme et lui dire combien tu apprécies ce qu'elle fait. Ose aller voir cet homme ou cette femme qui est différente, pas déficiente, mais différente. Elle n'est pas toxique. Elle est hors norme. Va vers cette hors norme, vers ce côté extraordinaire des choses, vers ce côté joie, enthousiasme, et non vers ce côté frustration que tu connais depuis de nombreuses années. La synthèse de ce tirage, c'est l'union, c'est le mariage, c'est l'anneau. Quel engagement es-tu prêt à fournir aujourd'hui? À partir de maintenant. Maintenant que tu sais qu'il faut que tu t'engages à lâcher prise et qu'il faut que tu apprennes pour te souvenir, que tu sais que la vie est faite de cycles. L'hiver, c'était pour t'introspecter. Maintenant, c'est le printemps, tu dois te montrer aux autres. Et c'est à ce moment-là que tu dois oser t'exprimer et dire aux autres pleinement tes ressentis, peu importe ce qu'ils pensent. Tu es toujours le conducteur de ton propre véhicule. Alors maintenant, pour te remercier, on va voir comment faire pour attirer l'amour à soi jour après jour. Ok, c'est parti. J'apprends à reconnaître l'amour. Il est aisé de confondre amour et passion amoureuse. La passion amoureuse peut naître en un instant par l'attrait physique, alors que l'amour nécessite du temps et la connaissance réelle de l'autre. Je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement quelqu'un que je ne connais peu. Aujourd'hui, j'apprends à reconnaître l'amour pour vivre mes histoires en pleine conscience. Je te remercie de me suivre, de me soutenir. Tu veux aller plus loin, tu peux t'offrir l'un de mes livres en dessous. En tout cas, je te retrouve dès demain ou très prochainement. À bientôt.